Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est enfin réunis. Oui. Let's go. Ça part en petite session cliff. On va aller dans un spot que j'aime bien où il y a une cascade et on peut sauter d'un chêne, ça va être stylé. Ça fait 10 mois que j'ai pas cliff. La dernière fois qu'il a fait un vrai cliff, Louis, c'est dans le film qui va sortir le 26 novembre. Et c'était une dinguerie. Je sens que cette session, ça va être le gros bordel. Déjà, c'est le retour de Mehdi. Mehdi qui fait des spectacles. Jérém qui place des petites vannes comme ça, un peu discrètement. Il y a Vlado qui est en forme. Louis Cho, il est vraiment gonflé à bloc. J'ai jamais vu aussi gonflé. Vous allez voir comment il est stock. Là, c'est exotique ce qui se passe quand même. C'est magnifique, c'est incroyable. Avant goût de l'eau, elle est bien froide, ça y a pas de doute. Hein. L'idée c'est que là il y a un espèce de vieux chêne qui grimpe et il y a moyen de sauter du tronc. Après on est vraiment pas sûr du fond, du coup on va faire vraiment beaucoup de coulées. C'est la pire étape là. Bon, on va faire des coulées avec Jérém et Louis, on va faire vraiment les choses bien. C'est trop propre. Ouais, c'était trop agréable. Ouais, en fait, je suis resté, je me suis dit merde, quand est-ce que je tourne? Elle est gelée. Et après, je pense qu'on va monter à l'arbre là. C'est un peu plus haut, ça va être cool. Bon, avant que les gars ils sautent de un peu plus haut, je me suis un peu écarté de la cascade parce qu'on n'entendait pas très bien. Et j'avais envie de vous parler de notre plus gros projet qu'on va sortir. C'est Civilisation, ça sort le 3 décembre sur notre site. C'est un film, un magazine sur les dessous du film et une collection de vêtements. On a sorti le trailer de ce projet il y a 2 semaines. Ce projet, on l'a tourné en Asie l'hiver dernier. C'est 6 semaines incroyables qu'on a passé à l'autre bout du monde. Ce projet-là, ça fait 1 an qu'on vous montre presque rien dessus. Vous avez vu aucune image de ce projet, à part bien sûr dans le trailer qui est sorti il y a 2 semaines. Ce film, c'est 9 potes qui partent à l'aventure à l'autre bout du monde dans 3 pays différents. On a fait le Vietnam, le Cambodge et la Thaïlande. Et c'est un condensé de parcours, de cliffs, d'aventures. Et puis surtout de Wheezy Life. Hein. Franchement, les gars, on s'est régalé et on espère que vous allez vous régaler en regardant ça. Ce film, en plus, on est trop content parce qu'on va le diffuser au cinéma. On va diffuser à Rennes et à Paris. Les salles, elles sont déjà pleines. Ça fait grave plaisir. Après, pas d'inquiétude pour toutes les personnes qui n'ont pas pu prendre leur place. Le film, il sera disponible à partir du 3 décembre sur Vimeo. Parce que ce film, on a pu le faire grâce à la déter de tout le monde, de tout le groupe. Franchement, on est hyper content du résultat. On a mis tellement d'énergie et tellement de temps pour produire ça que on est juste trop heureux de pouvoir enfin vous présenter cet énorme projet dont on est si fier. Et à la suite de la sortie du film sur Vimeo, on va pouvoir vous délivrer la nouvelle collection du projet Civilisation. Sur les fringues, il y a plein de petits détails qui font que cette collection, elle est unique. Et en fait, ça retrace un petit peu tout notre périple. Et puis Félix aussi, il a fait 2 magazines qui sont liés à ce projet. Dans les derniers mois, j'ai charbonné. Et du coup, il y aura un magazine qui sera sur les dessous du film Civilisation et un autre qui sera sur l'après-film, toute la partie où Flo il a été en prison et genre plein d'autres exclusivités. Du coup vous aurez tout ça qui sera disponible aux premières et ça sera disponible par la suite sur notre site. Avant de retourner voir les gars qui sautent, je vous préviens que la semaine prochaine il y aura pas mal de promotions sur notre site pour le Black Friday. Si vous voulez en savoir plus, on donnera toutes les infos par rapport à ça sur le compte Wheezy Store. Profitez-en, ça va durer juste 1 semaine. Si vous voulez vous faire plaisir en cette période de Noël, si vous voulez faire des cadeaux et tout ça, tous les liens ils seront dans la description, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Bon, il fait méga froid là, donc moi je vais pas sauter, mais je vais aller filmer les gars, c'est parti. Moi aussi je vais send. Là on est sur le haut du spot et on a repéré genre qu'il y avait une course d'élan ici et on peut sauter genre par-dessus la cascade. Il n'y a pas énorme et je pense que ça va être vraiment stylé. Tu vois rien?
Et là, tu vois tout le truc. Vas-y, bah, vous êtes chaud? Allez, je l'aime. Sandy! Full Sandy! Yes! C'est au tour de Louis VII t'envoyer en dodge. Ça va être magnifique. Je sens que... Ouais, je sens aussi, ouais. Ça fait peur. Moi, je sens un truc, là. J'ai le BPM à 300, là. Qu'on n'a pas été tous ensemble, du coup de voir tout le monde sauter, ça régale. Maintenant ça part sur l'arbre. Je suis allé tout à l'heure et c'est quand même bien glissant et tout, donc c'est quand même un peu sketchy. Le spot il est incroyable. Ça va partir en gros de blé. 3, 2, 1, 5. J'aime bien, ce mec là il fait du drone de base. Bon, j'ai comme l'impression que ce vieux chêne là il monte encore et il y a une espèce de gros lierre autour du tronc et du coup ça crée une espèce d'échelle. J'ai envie de voir si on peut monter tout en haut parce qu'il y a une grosse branche. Si on trouve, il y a moyen de faire un big jump, un espèce de 18-19 mètres quoi. Ça commence à être assez haut là. Mais le lierre a l'air d'être quand même assez solide. Je sens que je commence à prendre de la hauteur et je commence à être moins sûr. Je crois que je suis tout en haut. Et la broche elle est juste devant moi. Vu d'en haut ça paraît très très étroit la réception. Et bah je fais pas le malin. On va ramener la taille pour mesurer. Je profite de ce petit moment là où je suis en train d'attendre les garros. Depuis le début de Wheezy, depuis le début de notre groupe, depuis 4 ans maintenant qu'on fait des vidéos. Ce film c'est un peu ce qu'on a produit de meilleur. Ça nous tient à cœur quand même de vous le montrer au cinéma, de répondre à vos questions si vous en avez sur place et d'échanger avec vous. Et ça qu'on fait des vidéos c'est pour... Bah, pouvoir venir vous rencontrer, venir échanger avec vous et créer un peu cette envie d'aventure et de liberté et de plaisir à partager entre potes parce que pour nous c'est ça qui compte et c'est ça qui nous régale depuis 4 ans maintenant. Ah, il y a les gars qui arrivent, on va pouvoir mesurer le saut. Ça y est, c'est insane. Bienvenue Jérém. Bienvenue à la maison. J'avoue que la grimpe elle fait peur et en fait tout est sketchy, on sait pas trop si ça tient. C'est des espèces de racines du coup ça a l'air solide et en même temps on sait pas trop. Et là le saut il a l'air énorme. C'est un peu un saut de précision, j'ai l'impression. Alors, 17,50. Ouais, ça va partir. Ouais, il va faire trop kiffer. Hein. Je regarde d'en haut, c'est un peu un 17 mètres précision. Il y a juste à se laisser tomber de l'arbre et ça va être trop bouffant. Il y a les gars qui sont prêts là, ça va partir. Ok. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3
coup au menu de ce soir, petite lentille corail avec lait de coco, petits légumes et on va faire une petite spéciale, on va faire des nems. Pas vraiment ce mot, enfin il doit exister mais... Ça va bien. L'index. On va aller là-haut pour regarder le petit sunset. Ça va être cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Petit plan drone, petite fin de vidéo tranquille. On va kiffer là. Ah bah c'est ça. Ah bah oui. Bah là on cherche un petit rocher. Je pense qu'on va prendre celui-là. Juste devant la mer, on est bien. On est en train de faire de la grimpe. Ça glisse un peu par endroit. C'est plaisir, ouais, c'est des moments nature comme ça à poser. On est tranquille, on est bien. C'est stylé ou pas? Ah, c'est énervé. Ah ouais. On a des vêtements, ils sont disponibles dans le shop. N'hésitez pas à aller voir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Non les gars. Là vous voyez les collègues actuels, mais là il y en a une nouvelle qui va sortir pour le film. Elle va être stylée celle-là, vous allez kiffer. On va mettre le pull quand même parce qu'il fait... Ça faisait un bail qu'on s'était pas regroupé avec tout ce qui se passe après l'Asie, le montage du film. On a tellement hâte de vous présenter ce film. Vous allez kiffer le film. C'est des souvenirs de malade. Ça va être clairement fou. Ça va être fou. On a tellement tout donné, c'est des vibes de malade. On a tellement kiffé le tourner. On espère vraiment que vous allez kiffer autant que nous le regarder. N'oubliez pas, il y aura les magazines en exclusivité à la première. Franchement, ouais, ils sont incroyables. Moi, je les ai lus. C'est une dinguerie. Vous voulez pas rater ça. Il y a plein de petits détails cachés, de trucs qu'on vous a pas dit. Donc franchement, ça vaut le coup. Et Félix, il a taffé de ouf pour ça. Il a fait plein de photos. Il a passé des heures et des heures à le rédiger. Donc franchement, ça vaut vraiment vraiment le coup de l'acheter. Vous allez pas être déçus. On y a mis tellement toute notre énergie et tout ce qu'on a. Ça fait un an qu'on l'a tourné, donc imaginez le boulot qu'il y a. Donc c'est vraiment les 14 euros les mieux dépensés que vous pourrez faire en cette période de Noël. On vous kiffe et on est très content de vous présenter ça. On se dit à dimanche dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.